Alors, merci beaucoup. Il s'agit donc de notre cinquième conférence de la série Le point sur la vie privée. Et la série de conférences vise à vous informer des liens existants entre la protection de la vie privée et des domaines variés, à savoir la sociologie, l'économie et l'informatique. Nous espérons pouvoir revigorer et engager le débat sur la protection de la vie privée d'une manière innovatrice. Il y a des gens qui nous ont vus regarder notre événement antérieur. Nous avons parlé de notre dernière conférence, de cette surveillance de plus en plus étroite au sein de notre société, de son impact sur la vie privée des citoyens. Le sujet d'aujourd'hui est la vie privée des jeunes. Monsieur, nous savons déjà que les jeunes sont des utilisateurs assidus de l'Internet et des technologies. Les jeunes aiment les téléphones intelligents, les médias sociaux et, par voie de conséquence, ils sont complètement immergés dans un environnement numérique où ils socialisent, étudient, et ce, à l'échelle planétaire. Nombreux sont ceux qui pensent que les jeunes ne se soucient pas de la protection de la vie privée parce qu'ils pensent que les jeunes sont trop passionnés par le monde en ligne et le partage d'informations s'y rapportant. Eh bien, je suis ravi de vous dire qu'en dépit du fait que le concept de la vie privée se transforme, nous constatons néanmoins, étude après étude, que la vie privée continue d'être une valeur de première importance. Nos sondages auprès des Canadiens ont confirmé cette information. Les jeunes se préoccupent effectivement de la protection de leur vie privée et excellent dans ce domaine. Lorsque nous allons dans les écoles, les jeunes nous disent qu'ils se préoccupent beaucoup de leur réputation et de la protection de l'information en ligne. Ils sont toutefois nombreux à ne pas savoir comment se protéger. Il est crucial d'éduquer les jeunes sur les obstacles surmontés en matière de la protection de la vie privée en ligne. Nous devons leur fournir le savoir et les compétences nécessaires afin qu'ils puissent tirer davantage de l'Internet en socialisant et en apprenant, et ce, sans nuire à la protection de leur vie privée. Le commissaire, our office is working hard to promote online privacy for young people through our youth website. Our spécifiquement pour eux, un concours de vidéos et du matériel pédagogique à l'intention des écoles. Il me fait plaisir de vous annoncer de la part du commissariat à la protection de la vie privée que nous allons lancer aujourd'hui un outil qui aidera les enseignants, les dirigeants communautaires à discuter avec les jeunes au sujet de la protection de la vie privée et des renseignements confidentiels sur Internet. L'outil qui comporte une présentation PowerPoint se trouve sur notre site web pour jeunes, www.youthprivacy.ca. Nous lancerons également ce mois-ci le concours vidéo de l'année. Visitez souvent notre site web puisque vous y trouverez des choses fort intéressantes. The online world. Chacun doit faire sa part pour aider les jeunes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour gérer leur renseignement personnel en ligne. Nos invités d'aujourd'hui nous indiqueront comment le commissariat, les parents, les éducateurs peuvent répondre. Goldie and Matthew Johnson will be talking about the challenges youth face in the online privacy. Cet après-midi, je vais nous proposer des suggestions au commissariat, aux parents et aux enseignants puisqu'il s'agit d'un besoin urgent. Kate Rains-Goldie et Matthew Johnson nous parleront des défis que doivent surmonter les jeunes en ce qui a trait à l'Internet et ce que nous devons faire pour les aider à protéger leur vie privée. Cela étant dit, je vous présente maintenant la modératrice de nos discussions, Daphne Guerrero, du CPVP. Merci, Madame la commissaire. Comme l'a précisé la commissaire, nous avons vu plusieurs études de partout dans le monde. Nous savons que les jeunes s'intéressent beaucoup à la question de la protection de la vie privée. Mais les gens continuent de croire que les jeunes ne se préoccupent pas de la protection de la vie privée. Alors, il y a 10 ans, nous nous sommes penchés sur cette nécessité de les informer de la protection de la vie privée. Et nous savons que les médias sociaux sont de plus en plus populaires et on pense parfois que les jeunes, à tort, ne sont pas préoccupés par cette question de protection de la vie privée. Nous voulons donc savoir quelles compétences il faut fournir aux jeunes afin qu'ils puissent naviguer en toute sécurité. Comment se fait-il que ces mythes continuent
encore. Alors, nous essayons aujourd'hui de répondre à ces questions. Et aujourd'hui, deux personnes qui ont beaucoup à nous dire sur ces sujets. J'anticipe leurs commentaires. Kate est conceptrice de jeux, organisatrice communautaire et travaille particulièrement dans le domaine de l'Internet, les jeux, la place des jeunes et la culture Faites-le vous-même. Elle est actuellement une adjointe à recherche au Edge Lab et étudiante au doctorat à l'Université de Curtin. Elle est invitée au Media Lab et elle est co-fondatrice d'un studio de jeu. Et puis, elle a également mis sur pied le premier conférence Privacy Camp Théo, la première de ce genre au Canada. Il y a également Matthew Johnson, le directeur de Réseau Éducation Média, ou MNET. Il a acquis plus de 10 années d'expérience, enseigné la production de films, l'éducation spécialisée, et il a préparé des ressources pour les parents, les communautés, et il est le concepteur de Pasteur pour Internet et un tutoriel en littératie numérique pour les 4e à 8e année. Il est également le concepteur d'un blog populaire, Talk Media, et il a parlé du futur et de l'Internet 2.0. J'ai eu un entretien avec lui quelques semaines préalablement à aujourd'hui, et nous avons... Bon, excellent. Alors, merci, Daphné. Alors, j'aimerais dire merci au commissariat à la protection de la vie privée. J'apprécie beaucoup le travail que vous faites et votre intérêt pour Facebook. C'est un plaisir d'être ici. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler notamment de travail que j'ai accompli au cours de mon doctorat, donc sur l'utilisation de Facebook, tant sur le plan de la conception que sur le plan de son utilisation. Et puis, je parlerai des jeunes de 6 à 12 ans et leur utilisation des médias sociaux. Alors, voici ce que je veux accomplir. Je veux élaborer sur le sujet. On dit que les jeunes ne s'inquiètent pas de la pression de la vie privée. Je veux savoir pourquoi ce mythe persiste. Et puis, je ne vous dis pas que les jeunes ne courent pas des risques, mais je vous dis que c'est plutôt une situation plus complexe à saisir et nous devons savoir certaines choses pour mieux protéger les jeunes en ligne. Alors maintenant, voici de l'information sur les médias sociaux reliés à mes recherches. Et puis ensuite, je vous ferai plus d'informations afin que vous puissiez mieux comprendre la protection de la vie privée. Et ensuite, je me pencherai sur l'idéologie de Facebook. Il ne faut pas seulement focaliser sur les utilisateurs, mais aussi sur l'utilisation courante. Et puis... pourquoi Facebook ne voudrait peut-être pas que les gens préservent l'anonymat et leur objectif? Et pour clore, eh bien, je vais vous dire des étapes suivantes et des projets sur lesquels je me pencherai dans le futur. Alors, en 2006, c'était en fait l'année au cours de laquelle les médias sociaux ont commencé à être plus populaires. On a commencé à s'intéresser sur ces derniers sur le plan académique. Et puis, moi, je me suis penché sur le site le plus populaire auprès des adolescents. Alors, Facebook commençait à être de plus en plus populaire et maintenant, nous savons que Facebook est le site le plus populaire. Et puis, vous saviez, la situation était différente à ce stade-là. En 2006, par exemple, Facebook était jusqu'au mois de septembre de cette année-là, n'était pas accessible. C'est tellement seulement accessible aux étudiants de collégial et vous deviez avoir un code d'accès. Alors, les jeunes pensaient qu'ils pouvaient partager de manière sécuritaire l'information, mais ce n'est pas la situation aujourd'hui. Alors, les réglages de sécurité étaient déjà des réglages par défaut. Alors maintenant, si vous voulez utiliser Facebook, vous devez modifier vos réglages de sécurité. Mais auparavant, c'était déjà par défaut des réglages sécuritaires. Il n'y avait pas lieu d'entreprendre cette démarche d'ajustement. Alors, c'était moins probable que l'on puisse rencontrer des gens qu'on ne voulait pas rencontrer sur Facebook.
Et vous savez, les sites de réseautage étaient nouveaux. Les gens étaient encore au stade où ils apprenaient à les utiliser et puis à gérer la divulgation de l'information. Et puis, c'est peut-être plus sécuritaire que... Vous savez, à ce moment-là, les recherches nous démontraient que les jeunes se préoccupaient vraiment de la problématique reliée à la protection de la vie privée. Alors, en 2006, nous avons eu cet état de panique en ce qui concerne la protection de la vie privée des jeunes. On pensait qu'ils ne se préoccupaient vraiment de leur vie privée. Les jeunes partageaient tellement d'informations en ligne, ils couraient donc des risques, il y avait des prédateurs sexuels qui leur faisaient des choses horribles. Alors, il fallait les protéger. Mais cela, on a démontré que c'était faux. Plusieurs études ont en fait démontré que les jeunes ne sont pas, courent plus des risques dans leur... Lorsqu'il s'agit de personnes qu'ils connaissent, famille, lorsque c'est quelqu'un en ligne, alors on parle de cette technopanique en ligne. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé avec le téléphone. Et puis, c'est plutôt relié à l'utilisation de l'outil plutôt que des risques s'y rapportant. Je vous ai dit que Facebook était plus privé à ce moment-là, alors c'était, par voie de conséquence, plus sécuritaire d'utiliser Facebook. Et puis, lors de nos recherches sur Internet et les réseaux sociaux, puis cette notion qui disait les jeunes ne se préoccupent pas de la vie privée, Youth Network nous disait qu'il y avait ce paradoxe de la vie privée. On dit qu'ils ne se comportent pas vraiment en fonction de cette attente pour la vie privée et les adultes également. Alors, vous savez, on pensait que ne pas partager de l'information était préférable que de partager de l'information. Alors, il y avait des aspects légaux, soit le droit à ne pas être dérangé. Et puis, vous savez, cette vision plutôt étroite reliée à la vie privée avait un impact sur les résultats. On pensait que les jeunes ne se préoccupaient pas de la protection de la vie privée. Alors, je vous en parlerai davantage. Vous savez, de 2006 à 2008, 2009 et 2010, on a mené deux études. Et puis, au cours desquelles on a constaté que les utilisateurs modifiaient les réglages par défaut pour améliorer la sécurité. Alors, ils sont en fait plus enclins à se protéger. Et puis, un rapport de QNR de 2009 nous a démontré que les jeunes étaient plus enclins à modifier leurs réglages de sécurité que les personnes plus âgées. Alors, par conséquent, le point principal que je veux véhiculer est le suivant. Vous savez, initialement, la protection de jeunes et la recherche et rapportant nous disaient que c'était les premiers utilisateurs des réseaux sociaux. Alors, c'est la raison pour laquelle on pensait qu'ils étaient plus à risque. Et puis, ce sont donc les premières personnes qui ont connu cette situation. Et de cette manière, on a mis beaucoup l'accent sur les utilisateurs. On pensait que Facebook voulait qu'ils partagent plus d'informations et qu'ils pouvaient avoir, par conséquent, un impact sur le comportement des utilisateurs. Alors, c'était un point de vue qui était plutôt simpliste. Et nous avons constaté plus récemment que les jeunes, en fait, se préoccupent de la protection des renseignements privés. Et puis, on parle maintenant du dilemme relié à la protection des vies privées. Ce n'est pas vraiment basé sur le droit à ne pas être dérangé, mais il faut trouver le juste équilibre entre ce qu'on divulgue publiquement et ce que l'on veut ne veut pas divulguer. Puis la capacité d'entretenir des liens avec autrui et puis de créer des liens. Et parfois, on veut effectivement que l'information devienne publique à ses fins. Et une vue d'ensemble, nous devons faire la distinction entre les différents types de protection de la vie privée. Vous savez, lors
que nous sommes penchés sur Facebook à Toronto, eh bien, nous avons parlé de la gestion de leur identité, ce que les gens disaient à leur sujet et comment ils affichaient leur information. Alors, on ne parlait pas de la vie privée et les préoccupations s'y rattachant, mais ils parlaient plutôt de la gestion de l'identité ou la gestion de sa réputation. Et puis, habituellement, lorsqu'on parle de la vie privée, on parle de la protection des données, et la protection et à long terme. Et vous savez, il y a une menace immédiate. Par exemple, quelqu'un qui dit des choses méchantes à leur regard ou qui télécharge quelque chose de méchant à leur regard. Alors, il s'agit donc de la gestion de l'information en tenant compte de l'interaction qu'on a avec autrui. Et puis, c'est quelque chose qui, sur lequel les jeunes se penchent. Et puis, vous savez également, la vie privée. Vous savez, sur Facebook, les gens peuvent afficher des choses sur votre mur, ils peuvent télécharger des photos. Donc, ils ont un certain contrôle sur la gestion de votre identité. Et donc, Facebook a moins de permet aux utilisateurs d'avoir moins de contrôle sur leur vie privée. Il y a également les contextes et l'interaction avec les contextes. Donc, nos comportements varient chaque jour, au quotidien. Et sur Facebook, nous n'avons pas ce contexte dans son ensemble. C'est plutôt une vision spécifique. Si quelqu'un écrit quelque chose à notre sujet qui est inapproprié selon le point de vue de notre employeur, il y a donc une atteinte à ce contexte. Et puis, vous savez, tout le monde utilise les médias sociaux. Alors, je vais maintenant me parler un peu de l'idéologie du Facebook. Comme je l'ai mentionné, la plupart des recherches étaient au sujet de l'utilisation du Facebook et de la transformation des normes, mais il n'y a pas tellement de recherches qui examinent pourquoi Facebook encourage les gens à moins protéger la vie privée. Et ça s'appelle le déterminisme technologique. Ça veut dire, c'est un autre narratif qui dit que la technologie est de nature neutre. Donc, j'aimerais vous expliquer pourquoi la technologie est importante dans ce cas. Au milieu du 20e siècle, à New York, il y avait Robert Moses qui était responsable de la planification des routes pour la ville et il voulait justement empêcher les pauvres de se rendre à certaines parties de la ville. Il remarquait qu'ils prenaient l'autobus plutôt que d'acheter une auto. Donc, il a construit les viaducs pour être trop bas pour permettre l'accès aux autobus pour empêcher les pauvres de se rendre à certains endroits. Donc, vous voyez comment son idéologie venait influer la technologie et la construction des routes. Alors, je veux faire une comparaison avec Facebook parce que si on regarde l'idéologie de Facebook, ce genre de neutralité de la technologie, c'est vraiment quelque chose qui a un effet, une influence sur la narrative au sujet de Facebook. C'est-à-dire, ce n'est pas que Facebook encourage les atteintes à la vie privée, mais c'est devenu clair que Facebook avait quand même des idées intéressantes au sujet de la vie privée. Comme par exemple, il y avait quelqu'un qui faisait une interview et qui portait qui portait un casque. On lui a demandé d'enlever le casque et c'est devenu évident pourquoi il ne voulait pas l'enlever parce qu'en dedans de ce casque, il y avait ce genre de grand sigle qui décrivait quel était le mandat de Facebook, qui disait rendre le monde plus ouvert et plus relié. Donc, c'est essentiellement que Facebook veut utiliser les renseignements, mais en même temps, il croit que s'il rend le monde
monde plus ouvert et plus relié, ça signifie que le monde aura moins de vie privée et que le monde sera meilleur si les gens ont moins de vie privée. Et ils semblent croire cela, ça fait partie de leur idéologie. Donc, ce n'est pas nécessairement que les jeunes veulent partager davantage des informations, mais que Facebook est guidé par cette idéologie que la transparence et l'ouverture est nécessairement meilleure. Donc, pour vous donner un exemple de comment ceci a été utilisé, comme j'ai mentionné autrefois, Facebook, c'était un site fermé. Il n'était accessible qu'aux étudiants au collège. Alors, vous deviez avoir une adresse courriel pour pouvoir y accéder. Donc, c'était clairement un espace pour les étudiants du collège. Donc, les choses qu'on voulait partager étaient typiques de ce que les étudiants auraient partagé avec d'autres étudiants qui étaient les seuls qui utiliseraient Facebook. Donc, on pouvait, par exemple, y afficher des images de gens qui boivent de l'alcool ou d'autres choses que font les étudiants. Et donc, on a ajouté d'autres gens. On a permis aux étudiants du secondaire de se joindre. Ensuite, on a permis à d'autres réseaux et à d'autres réseaux. Donc, Facebook est devenu de plus en plus ouvert. Lorsqu'ils sont devenus ouverts universellement, cette culture d'ouverture et de partage des renseignements existait déjà. Donc, les nouveaux utilisateurs ont dit, très bien, voici comment on se comporte sur Facebook. Voici le genre de renseignements qu'on doit partager. Donc, même si ce n'était plus un espace à usage restreint, les nouveaux utilisateurs ont continué cette culture de divulgation total. Donc, vous voyez comment Facebook a encouragé davantage la transparence et l'ouverture selon leur idéologie. Vous voyez, par exemple, on discute, par exemple, utiliser des certaines protections de la privacité pour que les gens se sentent sécures, ce qui les amènera à partager un maximum de renseignements. Donc, l'idéologie de Facebook est donc enracinée dans une façon qui vient de la Californie, c'est une attitude qui prévaut en Californie et donc c'est fondé sur le libertarianisme et d'autres idéologies et c'est donc typique d'une culture de technologie et de déterminisme technologique qui remonte à assez longtemps. Alors, lorsque on tente de comprendre pourquoi la technologie change, on ne peut pas examiner que les utilisateurs parce que clairement, Facebook a un intérêt à rendre le monde moins privé. Donc, mon point central, c'est que la vie privée des jeunes n'est pas tout simplement une question en noir et blanc. Il y a toutes sortes d'autres facteurs dont nous devons tenir compte. Parler tout simplement de la vie privée des jeunes peut mener les adultes à croire que les jeunes ne sont pas à risque à un moment donné. Mais je crois que maintenant que tout le monde utilise Facebook et que c'est devenu universel, c'est de plus en plus important d'être vigilant. Alors, vers où nous amène l'avenir? Alors, avec mes recherches sur Facebook, nous allons créer un jeu pour les enfants, leur apprendre, par exemple, comment penser de façon critique pour qu'ils puissent comprendre essentiellement pourquoi Facebook ou les autres sites sociaux ont un effet sur leur vie privée pour qu'ils puissent dire, eh bien, si je vais partager des renseignements, je dois savoir comment on va les utiliser ultérieurement. Alors, on n'enseigne pas tout simplement comment établir, comment fixer les dispositifs de la vie privée, mais aussi de penser de façon critique, de réfléchir sur l'effet de ces sites comme Facebook sur leur vie privée. Eh bien, Katie nous a parlé de l'importance de la transparence et une nouvelle définition presque de la vie privée.
Donc, ceci a un effet sur l'Internet. Et maintenant, je vais vous présenter Matthew Johnson, qui va vous parler d'éduquer les gens au sujet de la gestion de la vie privée et sur les connaissances sur la protection de la vie privée dans ce nouvel environnement qui est l'Internet. Merci et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais tout d'abord vous parler brièvement du réseau de sensibilisation aux médias, Media Awareness Network. Nous sommes un organisme sans but lucratif national qui a pour comme mission de s'assurer que les enfants et les jeunes ont les capacités de pensée critique pour s'engager fructueusement avec tous les médias et avec les médias numériques. Les médias interactifs, c'est-à-dire la vie privée et les capacités de gestion de la vie privée en font partie intégrante. Et donc, comme l'ont dit d'autres, il ne faut pas croire que les jeunes et surtout les ados ne se préoccupent pas de la vie privée. Après tout, qu'est-ce qui est plus typique de l'ado que le journal personnel verrouillé? Mais lorsque les enfants pensent à la vie privée, à la protection de la vie privée différemment des adultes. Et pour eux, leur estimation des risques à la vie privée sont parfois imprécis et faux. Et en ce qui concerne la gestion de leur vie privée, ce qu'il faut, c'est de l'éducation et des efforts de sensibilisation du public et aussi faire comprendre le public au sujet de la jeunesse et de la vie privée. Tout d'abord, il est utile de distinguer entre deux préoccupations sur la vie privée. Et ça revient un peu à ce que disait Kate, mais je vais vous présenter un peu de terminologie, de nouvelles terminologies, permettez-moi. Alors, il y a deux préoccupations que nous pouvons identifier. D'abord, il y a l'information personnelle et l'identité personnelle. Le premier parle des données qui nous identifient comme étant qui nous sommes, comme par exemple nos noms, nos coordonnées, nos numéros de téléphone, nos numéros d'assurance sociale ou essentiellement l'histoire de ce que nous avons fait en ligne. Mais ça, c'est normalement quelque chose auquel le commissariat de la vie privée s'intéresse. Mais ensuite, il y a la présentation de qui nous sommes, nos profils, des messages que nous laissons sur des sites, des vidéos, des commentaires qui sont signés de notre nom, ce que disent les gens à notre sujet et ainsi de suite. Et donc, ces deux aspects sont importants et lorsqu'on fait de mauvais choix dans ces domaines, ça peut avoir des conséquences graves. Mais j'aimerais dire que, selon ce que dit Katie, les jeunes sont beaucoup plus préoccupés par l'identité personnelle que par l'information personnelle. Donc, les jeunes veulent contrôler leur identité et cela nous donne une capacité de les sensibiliser en ce qui concerne les autres préoccupations au sujet de l'identité. Ils doivent comprendre comment gérer leur information personnelle et leur identité personnelle en ligne. Donc, les jeunes doivent comprendre les trois façons que les renseignements sont recueillis, par la publication, par la collection et par la retransmission. Donc, la publication, c'est le terme qu'on utilise pour décrire les activités telles que le fait de créer ou de poster un profil un réseau social, télécharger une vidéo, une image ou partager avec un site. C'est une question de consciemment afficher, télécharger des renseignements à son sujet. Et donc, c'est une décision de publier quelque chose à notre sujet, mais ce n'est pas toujours une décision éclairée. Et c'est ici où parfois les gens seront plus censés prendre des mesures pour gérer leur identité. Ils ont trouvé avec les médias sociaux, ils ont trouvé que les jeunes adultes étaient le groupe le plus censé à prendre des mesures, comme par exemple changer les paramètres sur la sécurité ou limiter le nombre de renseignements qu'ils mettent en ligne. Mais c'est essentiellement, ceci est une préoccupation
préoccupations qui relèvent de l'identité personnelle, c'est-à-dire les jeunes s'intéressent sur ce que leurs collègues pensent d'eux ou ce que leurs parents ou leurs enseignants pourraient apprendre à leur sujet. Mais parlons par exemple du site qui s'appelle Please Rob Me, s'il vous plaît, venez me cambrioler. Et donc, essentiellement, ils démontraient comment des services comme Twitter et Foursquare pouvaient justement vous compromettre en démontrant où vous êtes à un moment donné. Donc, lorsque vous dites « je suis à tel et tel endroit à Twitter », vous alliez dire au cambrioleur potentiel « je ne suis pas à la maison, vous pouvez venir me cambrioler ». Et de plus, même s'il a été démontré que la publication de l'information de contact n'est pas nécessairement une invitation à l'exploitation sexuelle, on a cependant démontré qu'on peut prédire beaucoup de choses au sujet d'une personne en se basant tout simplement sur la date de naissance et d'autres faits sur la personne. Et ce sont des renseignements qui sont essentiellement toujours publics sur les sites sociaux. Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour les numéros d'assurance sociale, mais ça démontre comment la publication des renseignements personnels qui semblent anodins, comme par exemple la date de naissance et le lieu de naissance, peut avoir d'importantes répercussions. Néanmoins. Donc, ensuite, il y a le processus de collecte des données et c'est le processus par lequel quelqu'un d'autre recueille des sujets sur une personne. Ça peut être fait sans la connaissance consciente du sujet. Par exemple, lorsqu'on participe à un concours, ça peut être fait avec le consentement de la personne ou parfois lorsque les jeunes décident d'utiliser un site qui détermine où ils vont et pourquoi ils sont là. Et parfois, ça peut être fait sans le consentement ou la connaissance du sujet, comme par exemple des programmes qui font la récolte de renseignements ou d'autres programmes qui enregistrent toutes sortes de faits sans le consentement de l'utilisateur. Il y a un cas qui a surgi aujourd'hui où quelqu'un avait justement mis des renseignements personnels sur certains sites. C'était censé être un site où on téléchargeait des faits, des vidéos, des films. Mais dans certains cas, ces gens qui avaient téléchargé ceci envoyaient à d'autres gens des photos compromettantes que l'auteur de ce logiciel utilisait pour des fins de chantage. Et donc, essentiellement, on parle d'informations démographiques, de consommation, oui, mais l'identité personnelle peut également être compromise par le biais de ces techniques. Et parlons d'une autre anecdote que vous avez peut-être entendue. C'est le cas d'une famille qui habitait au Missouri qui ont trouvé des photos qu'ils avaient affichées sur Facebook et étaient utilisées pour des fins d'annonce dans la République tchèque parce que quelqu'un avait pris leur photo du site. Et la dernière forme de collection qui serait, par exemple, retransmission, mais c'est une question de ce que les jeunes décident de faire avec les renseignements. Donc, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans la discussion sur la vie privée. Ce ne sont pas tout simplement les individus qui font des décisions sur leur propre vie privée, mais également sur la façon qu'ils vont respecter la vie privée des autres, de leur père, de leur famille. Ils ont constamment des occasions de retransmettre des renseignements, des photos, des informations. Ils peuvent donner les adresses du courriel et ainsi de suite à d'autres gens. Par exemple, on peut leur donner
demander de fournir des renseignements, des adresses courriels s'ils veulent entrer, participer à un concours. Et ce n'est pas tout simplement une question de prendre des décisions pour limiter les renseignements que vous offrez à votre propre sujet, mais c'est également une question d'éthique, que vous devez prendre des décisions d'éthique, à savoir qu'est-ce que vous allez faire avec les renseignements que vous avez au sujet d'autrui. Donc, en ce qui concerne les sextos, transmettre des photos nues, et puis on constate que les jeunes en reçoivent plus qu'ils en envoient. Alors, on pourrait parler des tierces parties qui ont accès aux photos. Eh bien, au fond, la retransmission de ces photos, alors les jeunes n'ont pas pris des bonnes décisions en matière de protection de la vie privée dans de telles circonstances. Alors, généralement, lorsque cela se produit, c'est quand une autre personne a pris une décision erronée. Bon, qu'est-ce que ça signifie pour, au niveau de la sensibilisation auprès des jeunes? Eh bien, vous savez, il est fort évident que l'éducation en matière de la vie privée doit tenir compte de la gestion de la réputation. On vous dit de ne pas télécharger de l'information qui vous concerne en ligne. Ça serait ignoré. Ça ne sera pas efficace, par conséquent, parce que s'agit d'une seule facette de la problématique. Il faut tenir compte de la collecte des données et des aspects éthiques reliés à la transmission de l'information. Et de manière analogue, nous savons que les tactiques qui visent à épeurés ne sont pas efficaces. Alors, les jeunes veulent avoir l'impression qu'ils ont le contrôle de leur expérience en ligne et de leur vie privée. Il faut toutefois les informer de la limite de ce contrôle dont ils disposent. Et sous l'angle de la protection de la vie privée, vous savez, le gouvernement, les organismes veulent gérer l'information privée, mais il est clair pour les jeunes que la gestion de l'identité personnelle importe plus. Et il sera plus facile d'obtenir un franc succès si, par exemple, John Dewey s'adresse directement à l'apprenant afin qu'il puisse mieux gérer leur identité en ligne. On l'a déjà précisé. Et il faut les informer en ce qui concerne l'importance de la gestion de leur information personnelle. Une autre volet, eh bien, vous savez, l'éducation en matière de protection de la vie privée doit commencer tôt, qu'il s'agisse d'adolescents, de préados. À moitié des enfants de 9 à 12 ans en Angleterre utilisent, selon l'École économique de London, c'est une situation analogue au Canada. Donc, la collecte de données commence dès qu'on commence à utiliser l'Internet. Alors, il faut commencer à les sensibiliser sur la protection de la vie privée dès que possible, le plus tôt possible. Et de manière idéale, il faut que cette information, ces matériels pédagogiques soient disponibles lorsqu'ils commencent à utiliser l'Internet, par exemple. La popularité d'iPad est populaire auprès des gens. Et bien, il faut savoir les éduquer d'une manière qui correspond à leur âge et puis les former afin qu'ils adoptent des habitudes qu'ils utiliseront tout au long de leur vie. Et puis, il y a des sites web, par exemple, comme la Société Radio-Canada et comme la chaîne TVO, pourraient faire la promotion de ce type de ressources. La gestion de la vie privée et d'autres éducation en matière d'utilisation de l'Internet doit s'adresser aux enfants et il faut fournir le matériel de pédagogique aux enseignants afin qu'ils puissent l'utiliser dans les classes. En ce qui concerne la sensibilisation du public, pour terminer, eh bien, nous devons changer notre perception de la vie privée. Primo, il faut focaliser sur les étapes à franchir et il faut savoir que la gestion de la vie privée est interreliée à l'identité et il faut prendre et développer la pensée critique. Les concepteurs, les enseignants doivent tenir compte de l'aspect commercial des sites web utilisés par les gens et les risques en matière de protection de la vie privée, c'est important. Comme je l'ai précisé, les jeunes ne sont pas des victimes de la violation de la vie privée, mais parfois ils téléchargent
de plein gré leur information. Celle-ci est retransmise. Il s'agit donc de choix, de décisions qui ne sont pas adéquates, sans tenir compte des conséquences de ces rapports. Tant, ce n'est pas des gestes naïfs, mais plutôt des gestes posés en fonction des récompenses s'y rapportant. Donc, le contenu en ligne, et donc, nous devons mettre l'accent sur la protection des jeunes et aussi de la capacité d'agir des jeunes. Vous avez dit que nous devons commencer à nous adresser à des jeunes, de plus en plus jeunes, en ce qui concerne l'éducation en matière de protection de la vie privée, parce que vous savez, les jeunes utilisent l'Internet de plus en plus jeunes. Alors, comment procéder sans utiliser des stratégies axées sur la peur ou la peur d'autrui? Eh bien, il faut dire aux jeunes que l'information personnelle est... importante. Et en somme, il faut leur dire qu'il faut prendre des décisions éclairées en ce qui concerne l'éducation des formations, et ce, le plus tôt possible dans leur vie. Alors, ils doivent être en mesure par la suite d'avoir l'impression d'être capables d'agir correctement. Alors, il faut leur dire qu'il y a des options qui s'offrent à eux, et ils doivent être sensibilisés qu'il s'agit de quelque chose qui est important. Voulez-vous ajouter des commentaires? Eh bien, j'aimerais vous poser une question, Kate. Nous avons antérieurement parlé de ce concept, de cette commercialisation des jeux. Et donc, en ce qui concerne les jeux et le commerce s'y rapportant, est-ce qu'il y a un lien avec la protection des jeunes? Eh bien, vous savez, Zynga a conçu un jeu pour apprendre l'importance de la vie privée, donc Farmware. Ce n'est pas le meilleur exemple, mais il s'agit d'un jeu que les jeunes peuvent utiliser pour apprendre quelque chose qui pourrait autrement être plutôt inintéressant pour eux. Et puis, vous savez, en fait, nous avons plusieurs jeux de matériel pédagogique qui visent à leur montrer comment gérer la gestion de l'identité et la vie privée. Et puis, nous avons deux ou trois jeux qui portent particulièrement sur la protection de la vie privée. Privacy Playground montre aux jeunes de 8 à 12 ans l'importance de la vie privée. Nous avons un jeu Top Secret qui est conçu pour les adolescents et qui porte sur la protection des renseignements privés. Nous aurons également des jeux pour les 5 à 8 ans, le piratage de la vie privée, qui met l'accent sur la gestion de la vie privée et de son importance. Il y a un autre exemple intéressant, Smokescreen de l'Angleterre. C'est une réalité qui utilise divers médias. Donc, il y a différents scénarios, différents personnages. C'est très engageant, très intéressant. Et puis, c'est sur la chaîne 4. J'ai oublié son nom. Ça a été conçu par Phyllis Taylor. Ah oui, elle est mariée à Cory Doctorow, qui a écrit plusieurs œuvres sur la pression de la vie privée. Vous savez, qu'est-ce qui est intéressant à propos de ce jeu? Ça a été produit par la chaîne 4. Donc, c'est un radiodiffuseur national en Angleterre. Et puis, ils ont donc décidé d'axer la programmation sur des jeux en ligne et puis les jeux. Alors, vous savez, il y a de la place pour les organismes sans but lucratif et pour le gouvernement. Alors, je me demande si vous avez de l'information à fournir en ce qui concerne des autres personnes qui pourraient s'engager dans ces démarches pour les jeunes. On a parlé des organismes sans but lucratif. Quelle autre sphère dans notre société devrait s'impliquer dans cette situation? Eh bien, vous savez, j'ai parlé de Facebook et de son idéologie. Il est très difficile vraiment de s'attendre que les entreprises puissent vraiment se préoccuper de la vie privée des jeunes. Parce que vous savez, le but escompté, c'est d'obtenir des utilisateurs
de l'information. Alors, je pense, par voie de conséquence, qu'il faut que les écoles, le gouvernement et d'autres organismes, des gens qui n'ont pas comme intérêt premier l'exploitation, de l'utilisation des jeunes. Je pense que cela est important. Mais vous savez, de manière analogue, je pense que les entreprises peuvent jouer un rôle intéressant, les individus aussi. Vous savez, il y a toujours des contraintes financières se rapportant à ces démarches, mais il y a eu plusieurs exemples. Vous savez, des compagnies Internet qui ont financé des démarches pour protéger la vie privée sans s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Alors, il s'agit de grandes organisations, mais vous savez, la philosophie qui encadre tout ça doit focaliser sur la sensibilisation, l'éducation des jeunes par le biais de cette organisation. Mais vous savez, nous devons toujours nous soucier de ces éléments financiers. Et moi, je pense que les entreprises peuvent jouer un rôle important dans l'éducation en matière de protection de la vie privée. Vous savez, la sensibilisation est également importante parce que je viens tout juste de compléter, et ça sera disponible dans un futur rapproché, on parle du monde virtuel pour les jeunes et comment les entreprises utilisent à mauvais escient le concept d'exploitation des jeunes. On dit protéger vos jeunes, sinon ils sont exploités. Mais vous savez, lorsque les jeunes vont dans ces réalités, ils vont recevoir une quantité importante de messages publicitaires. Alors, d'une manière, on vous protège de ce supposé danger, mais vous êtes ensuite exposé à d'autres dangers. Et puis, cela se rapporte évidemment à la protection des jeunes. Alors, il faut se protéger de ça. Y a-t-il des questions parmi les gens dans l'auditoire? Alors, voici ma question. J'aimerais savoir si vous savez si la loi aux États-Unis fonctionne. J'ai des enfants. Moi, je dois toujours répondre par l'affirmative à toutes leurs requêtes. Alors, je me demande si la loi américaine fonctionne. Vous savez, le monde utilise des lois qui sont désuètes, comme c'est le cas au Canada. Et puis, donc, l'information leur appartient. On ne peut pas dire, il faut dire, je ne veux pas que cette information soit divulguée, alors il faut la supprimer. Alors, c'est un amalgame de toutes sortes d'éléments. Et puis, vous savez, en ce qui concerne Facebook et les autres, ont été en mesure de détourner ça à cause de cette situation. Il y a donc des lacunes en ce qui concerne la protection de la vie privée des jeunes. Alors, ma réponse est la suivante. Pas vraiment. Moi, je vous dis que cela a définitivement un impact sur la façon dont les compagnies font les affaires. Mais, d'autre part, cela n'a pas un impact sur l'utilisation. Vous savez, Facebook veut se plier aux lois américaines de protection de la vie privée. Alors, les utilisateurs doivent être âgés de plus de 18 ans. Mais, vous savez, ils ne peuvent pas vraiment le faire. C'est fastidieux. Les gens peuvent mentir lorsqu'ils divulguent leur âge, n'est-ce pas? Alors, il y a des renseignements de l'Angleterre et récemment aussi des États-Unis qui démontrent que plusieurs jeunes utilisent Facebook bien avant l'âge de 13 ans. Alors, ils mentent en ce qui concerne leur âge et puis, par voie de conséquence, ils ne sont pas protégés par les lois qui disent qu'on ne peut pas collecter de l'information sur des gens qui sont âgés de certains âges. Et puis, moi, si j'ai un parent, et puis je pourrais signer, apposer ma signature pour mon fils. Alors, je pourrais être mon propre parent. Je suis certain que les jeunes agissent de cette manière. Il y a des lois, mais vous savez, les jeunes sont très, très futés. Et puis, ils ont toutes sortes de méthodes pour détourner. Et puis, vous savez,
Les gars s'habillaient en noir, alors un ténavatar noir, alors les jeunes ont une multitude de choses qu'ils peuvent faire. Nous avons entendu parler d'exemples aujourd'hui, puis on a parlé de piratage et de méthodes innovatrices pour détourner les services et ce, pour protéger leur vie privée. Par exemple, lorsqu'ils font des choses que leurs parents, leurs enseignants ne veulent pas qu'ils fassent en ligne. Alors, Mathieu, vous avez fait la distinction entre ces activités et la littératie numérique et l'utilisation sans obstacles de l'Internet. Vous savez, je ne pense pas que cela rapporte nécessairement à l'illitératie numérique. Ce que je voulais dire dans cette distinction entre l'utilisation d'Internet et la littératie, je vous disais que les jeunes ont grandi avec dans cette ère numérique. Ils sont donc des experts. Et pour ceux qui n'ont pas grandi dans cette ère informatique, on pense qu'ils ont beaucoup de savoir. On pense qu'ils agissent correctement. Mais vous savez, l'utilisation ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont les compétences nécessaires pour agir de manière correcte lorsqu'il participe à des activités. Et oui, ce n'est pas le résultat de cette éducation plutôt formelle, mais ils ont des habitudes, ils ont des stratagèmes, des ruses qu'ils ont mises au point. Ça peut être utile, mais ce n'est pas vraiment l'éducation sur l'utilisation de l'informatique qui est vraiment idéal. On sait que les jeunes peuvent utiliser toutes sortes de stratagèmes qu'ils ont mis au point, qui ne fonctionnent pas. Parfois, ils utilisent des stratégies pour se protéger en ligne et ça fonctionne, mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas aussi correctement que si ils utilisaient des méthodes qui sont vraiment les mieux indiqués dans l'utilisation de l'Internet. Avez-vous d'autres questions? Oui, allez-y. Alors, vous avez mentionné tous les deux que les gens mentent lorsqu'ils utilisent l'Internet. Alors, la société doit-elle s'inquiéter? Vous savez, il y a plusieurs personnes dans notre société qui mentent constamment pour des raisons qui ne sont pas vraiment légitime. Alors, est-ce que c'est toujours, ou est-ce plutôt seulement le reflet de la société comme elle a toujours été et nous en sommes plus conscients aujourd'hui? Eh bien, c'est une question qui porte sur l'Internet depuis longtemps. Et puis, vous savez, auparavant, c'était des mondes virtuels. Les gens changeaient d'identité, ils jouaient des rôles. Alors, est-ce que l'Internet, de manière fondamentale, change-t-il la société? C'est une bonne question. On s'y est penché. Et puis, nous avons constaté que l'Internet ne change pas vraiment les choses, mais incite à l'exagération. Donc, la gestion de l'identité n'est pas chose nouvelle de la vie privée, mais nous en sommes plus conscients aujourd'hui. Alors, le mensonge est plus visible, parce qu'on en parle plus souvent, mais je ne suis pas certain si cela pose problème. On le fait pour protéger sa vie privée, vous savez, on parle maintenant de Google+. Ils veulent maintenant que tous les gens qui utilisent Google+, utilisent leur vrai nom ou le nom de leur portefeuille, qui est légalement votre nom. Alors, on se pose la question. Des questions. Est-ce que c'est sécuritaire? Si vous dites qui vous êtes vraiment, vous n'allez pas causer de tort à autrui. Mais les risques sont peut-être présents néanmoins. Alors, moi, je pense que la situation n'est pas aussi problématique qu'on l'on puisse penser ou percevoir. Vous savez, il y a deux raisons pour lesquelles les jeunes mentent sur Internet. Parce que lorsqu'ils sont très jeunes, nous leur montrons souvent comment mentir. Donc, il y a ce concept du danger causé par autrui. Nous savons que ça ne concerne pas
autant que ça, les jeunes, mais il faut, au cours des 10 dernières années, nous avons mis au point l'éducation sur l'utilisation de l'Internet. On dit fournir des renseignements erronés, mauvaises coordonnées, un numéro de téléphone, un nom. Et puis, à cause de cette absence d'éducation en matière de gestion de la vie privée, les jeunes, lorsqu'ils commencent à utiliser les médias sociaux, ils ont comme seule option le mensonge pour gérer leur vie privée ou leur réputation, parce que c'est la seule façon de procéder qu'ils connaissent. Alors, ils créent un profil qui est erroné, vérifié par les parents. Et puis, c'est de cette manière qu'ils gèrent leur vie privée. Et ça démontre de nouveau la raison pour laquelle nous devons leur enseigner la gestion de la vie privée et les éduquer sur l'utilisation de l'Internet, et ce, à compter de bas âge. Vous savez, au Edge Lab, j'ai fait du travail. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans ce domaine, qui ont œuvré précédemment dans le domaine de l'enseignement. Alors, l'autonomie et la vie privée, et nous penchons sur les espaces virtuels. Alors, on ne veut pas empêcher aux jeunes de pouvoir développer la pensée critique. Nous voulons qu'ils soient capables de déterminer en qui ils peuvent avoir confiance. Parce que lorsqu'on a cette perspective axée sur l'Internet, on va... on vit d'une façon où l'on dit « je peux faire confiance à cette personne, je ne peux pas faire à cette autre personne ». Alors, ces gens peuvent prendre des décisions qui sont inappropriées en ce qui concerne la protection de la vie privée, parce que c'est dans ce monde. Alors, il faut commencer à les éduquer à un bas âge. Et c'est intéressant de se pencher sur la question relative à l'enseignement de ces compétences. Vous savez, lorsqu'on est sur Internet, lorsqu'on télécharge quelque chose sur Internet, c'est permanent. Alors, c'est problématique. Comment pouvons-nous contourner cette problématique? Comment pouvons-nous enseigner aux jeunes la pensée critique? Comment pouvons-nous leur offrir des activités, des endroits où ils peuvent participer à des activités de manière sécuritaire, et ce, sans nuire à leur réputation? Bien, nous avons fait du travail à ce sujet. Par exemple, il y a tout simplement l'idée de mettre l'enfant devant l'ordinateur et de lui permettre de faire ce qu'il veut. Bien, ce qu'on doit faire, c'est de s'asseoir avec lui, lui donner l'encadrement qu'il lui faut pour pouvoir traiter avec ses problèmes. Et donc, discuter avec eux, dire, voici, si vous faites ceci, voilà quel effet ça pourrait avoir. Donc, faire une petite supposition, c'est ce qu'on appelle l'encadrement, et aussi utiliser un avatar, lui dire que d'utiliser un faux nom, il va avoir moins de conséquences. Eh bien, il y a deux grandes stratégies. La première, c'est l'encadrement de l'enfant, c'est-à-dire de les protéger, de les préparer pour les questions et les problèmes de sécurité qu'ils devront affronter. Et l'autre serait une simulation. Il y a des tutoriels, par exemple, Passeport pour l'Internet et Mon Monde, My World, qui sont pour 4e à 8e année, et d'autres pour d'autres étudiants, et ça leur permet d'aller en ligne et de faire les choses qu'ils feraient en ligne et de faire des erreurs et de voir les conséquences, mais tout dans un contexte simulé. Donc, c'est très semblable à cette idée de créer un avatar qui est tout à fait autogéré. Dans My World, on fait quelque chose de semblable. On fait un environnement où on voit tous les liens qui existent dans l'Internet et on peut en faire l'expérience sans danger.
Alors, question finale. Nous avons débuté cette discussion en parlant de ce mythe qui existe toujours, selon lequel les enfants ne se préoccupent pas de la protection de la vie privée. Et quelqu'un a dit qu'un sondage aux États-Unis démontrait que parmi les parents, les dangers sexuels sont encore la première préoccupation des parents. Donc, le moment est peut-être venu d'éduquer les parents au sujet des véritables risques qu'encourent leurs enfants. Eh bien, ça revient un peu à ce que j'ai dit plus tôt, c'est que nous devons changer le dialogue au lieu de parler de la victimisation des jeunes, parler plutôt des capacités des jeunes. Vous savez, même si les parents continuent d'avoir peur des prédateurs sexuels, et parce que nous voyons, nous aimons considérer les jeunes comme étant passifs, comme étant des victimes. Et nous devons amener les gens à discuter plutôt de l'idée de doter les jeunes des capacités nécessaires pour profiter au maximum de l'Internet tout en mitigant les risques et les dangers à la vie privée. Et aussi, je peux peut-être, en ce qui concerne la vie privée des adultes et les parents, si on peut mieux les éduquer, ils vont peut-être comprendre les problèmes qu'affrontent les enfants. Peut-être, par exemple, qu'on pourrait faire avec les adultes ce qu'on fait avec les enfants, c'est comme on fait avec les Air Miles, pour éduquer les gens, pour aider aux adultes à comprendre pourquoi ces nouvelles disciplines de protection de la vie privée sont pertinentes pour eux. Alors, merci beaucoup. C'était une discussion très intéressante et je trouve que nous avons eu un excellent équilibre entre ce qui a été présenté par Kate et par Matthew. Alors, maintenant, nous avons les propos de clôture. Alors, merci Daphné, alors Kate et Matthew, merci beaucoup. C'était excellent de comprendre vos points de vue et il y a toutes sortes de choses qui sont développées par le commissariat et de nouveaux défis. Alors, le concours vidéo et d'autres choses sont d'excellents outils que vous nous proposez. Beaucoup des gens ici ont des jeunes enfants, donc ce sont des problèmes et des défis très, très réalistes et à propos. Et l'histoire dressée par Kate au sujet des changements sociaux, et nous espérons que le résultat sera positif. Alors, nous allons maintenant, il y aura une courte pause dans cette série de conférences jusqu'au mois de janvier, et nous allons vous accueillir.